jouant qu'une mi-temps. C'est difficile de faire mieux. Je crois qu'on a perdu 90% de nos duels en première mi-temps, dans tous les secteurs de jeu. À part dans l'axe où on n'a pas été trop mal, mais je pense que en perdant tous les duels, on ne peut pas mériter de gagner ou de faire machine à l'extérieur. C'était quoi le problème? C'était technique? C'était les conditions? Ou vous êtes trompé sur la composition d'équipe? Ah, ça c'est vous qui le dites. Hein. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez mis? Ben non, j'aurais mis ça. Tu me poses toujours des mauvaises questions, je vais te frapper mal. Peut-être que je vais te frapper de tête par terre. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais j'ai la tête dure alors. Tu veux que je vienne, tu veux que j'aille chercher dans mon sac ce qu'il faut? Tu vas voir, je vais te frapper un coup de crosse dans la tête. Aïe, aïe. Eh ben après, mon chef, il va pas être content, un arrêt maladie. Ouais, mais peut-être que tu auras plus d'arrêt de cours. Bon. Allez, ah bon? Ça va, ce soir? T'es pas de mauvaise question. Tu veux m'emboîter? Ah non, non. Ou tu veux que je te déboîte? Ah bah non. Et tu peux. Ah non, mais je te le dis. Arrête de me faire chier, d'accord? Tu crois que j'ai envie de rire aujourd'hui? Bah non, je pose juste. Des fois, j'ai pas envie de rire. Et j'apprends aussi mon métier, mais il n'y a pas de problème. Ton métier, tu n'as qu'à l'apprendre. Je suis pas là pour vous embêter, moi. Mais moi, peut-être, je suis là pour t'embêter. Tu n'as jamais vu des journalistes avec des sparadrap sur la tête? Ah bah si. Mais peut-être, tu vas en boire dans pas longtemps. Peut-être dans 3 secondes. Tiens, prends ton jouet. Tu peux t'en servir comme suppositoire si tu veux.